Alors, bonjour et bienvenue dans votre émission Beethoven Leader Show. Ici, à la présentation, Beethoven Leader, le préfet de la presse du Nyari, en direct de l'hôtel Kenaya. On est avec Sam Samouraï, l'homme qui revient droit de Brazzaville, avec son tube qui fait actuellement très mal, Pepox. Il est en direct à Dolisy pour venir livrer un concert spectaculaire qui va se passer donc le 1er juillet dans la grande salle de la préfecture. Sam Samouraï, ici à Dolisy, en exclusivité mondiale pour la deuxième fois, parce qu'il était venu mais il n'avait pas joué. Il est venu encore pour livrer un concert spectaculaire pour la première fois. Sam Samouraï, bonjour. Bonjour, monsieur le préfet. Vous allez bien? Non, ça va très bien. Et toi? Pepox, Dieu fait grâce, on est là. On est en train de déguster le Nyari. Alors, hier, quand tu es arrivé, j'ai vu beaucoup de gens t'accueillir. Qu'est-ce que tu peux dire de Dolisy? C'est la ville de l'or verte, ou de l'or vert, comme on le dit. Moi, ça m'a fait plaisir. Les Dolisiens et les Dolisiennes sont très accueillants, très ouverts, très joyeux. Et j'espère qu'on va travailler ensemble pour remplir cette salle, le premier, à la préfecture. Merci beaucoup. Alors, hier, c'était la conférence de presse du spectacle qui va se passer, donc le premier jeu tel que tu l'as dit. Qu'est-ce que tu retiens déjà des chroniqueurs, des amis médiatiques qui sont venus t'accueillir pour te poser des questions? Qu'est-ce que tu retiens déjà d'eux? Je sens qu'ils sont présents, ils sont concernés à l'événement et ils donnent beaucoup de force parce qu'il y a les autres que c'est une première fois qu'on se rencontre, il y a les autres qu'on a causé au téléphone. Mais arrivé sur place, on découvre le vrai visage des gens, la motivation des gens. Et on se fait des relations, pourquoi pas. Moi, je sens que le côté presse d'Olysée est très motivé déjà, félicitations. Et les artistes aussi étaient au rendez-vous, espérant que cette relation, on va la développer, pourquoi pas. Merci beaucoup, on va parler dans cette émission aussi du FESPAM qui arrive, je ne sais pas si Sam Samouraï est invité ou pas. Dans cette émission en exclusivité mondiale, on aura donc le temps d'écouter l'artiste, mais avant tout, c'est le 1er juillet, avec le spectacle qui arrive, très énorme avec Sam Samouraï. Alors Sam Samouraï, s'il y a déjà un mot dans cette émission en exclusivité, quel est le message déjà que tu dis aux Dolisiens? Les Dolisiens, ils doivent venir. Ils doivent venir pour cet échange culturel parce que, je te dis pas, celui qui achète son ticket en retard, il n'y aura pas de place, ça va être serré. Je te mens pas. Tu as suivi le film La route vers l'enfer. La façon qu'ils étaient serrés dans le conteneur, là, donc... Préfecture Mbogui Badjana Container, ça va se serrer. Donc, si tu n'as pas encore ton ticket, il est temps, faut prendre ton ticket. Parce que tu as vu les répétitions hier. Ce n'était pas la blague. Hein. Là, c'est la peufra. Donc, c'est juste ça que je peux dire. Je sens que je suis trop frime. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux dire en ce moment. Alors, comprenez que c'est l'ambiance de cette émission. Merci à Giovanni Gimbi qui nous suit en direct. Et merci aussi à Nzusi Franceur qui nous suit, à Max Deli Djukamba, à Francis King qui nous suit en ce moment, à Sevi Kuelo, à Rolf Ngangoy, les amis qui accompagnent donc cette émission. Alors, Sam Samouraï, partant de Sapogang version 1 jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ta carrière? Faudrait savoir, comme je le dis souvent, on est juste à la contextualisation du sujet. On n'a pas encore mis le problème posé, même la problématique. Nous n'avons pas encore annoncé le plan. Voyons-nous. La Sapogang est juste à l'introduction. Donc là, nous nous préparons à aller dans le développement de la carrière. Mais ce que les gens peuvent retenir, c'est-à-dire que nous sommes dans le travail. Et on continue à travailler. Parce que l'objectif en général ou le but que nous avons, c'est de vendre le pays à l'extérieur. D'être les grandes stars, pas seulement au niveau national, au niveau international. Pour moi, ça, c'est le travail. Donc, ce que les gens doivent retenir, que Sam Samouraï travaille pour vendre le pays à l'extérieur et garder cette image urbaine au plan international. Niveau. Alors, partons de Sapogang jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir les petites coupures de chaque morceau pour faire plaisir? Oui. Freestyle. Ouais, merci. Non, il fallait une sirène pour masser la gorge, tout ça. Mais pour le freestyle, j'aimerais bien expliquer le concept, profiter à expliquer le concept au niveau de l'Isis, c'est là.
Le concept Ça pour Gang, c'est un concept qui fait vivre les artistes passés, mais qui n'ont plus le succès. Genre qu'on n'en parle plus, quoi. Tu vois, par exemple, il y a des orchestres que moi, j'ai eu la chance de connaître par rapport à mes parents, que les autres n'ont pas pu connaître. Donc, avec la Sapo Gang, on part dans une politique, là, on prend ces chansons-là, ces vieilleries-là, on remet ça dans les sens et on développe avec. Et que les sapeurs étaient comme des gens orgueilleux, impolis, tout ça, un peu violents, des sauvages. Mais avec l'idéologie Sapo Gang, on a pris ça, on a classifié ça. Là, les gens prennent les sapeurs, ah, l'homme est beau, avec une image plus fine, plus classe, ainsi de suite. Et tu as remarqué, dans tous les morceaux Sapo Gang, jusqu'à aujourd'hui, on parle que des punchlines des sapeurs. Si toi, par exemple, tu étais sapeur, tu avais dit un truc dans la sape, je pourrais prendre ça, je mets ça dans la chanson. C'est pour faire vivre cette culture-là. Parce que nous, on est Congolais. Notre idéologie ici-là, ou notre vie ici-là, notre culture, c'est défini primo par la sape. Quand on parle du Congolais à l'extérieur, on voit la sape. Donc, on ne peut pas faire un rap venant du Congo. Là, on parle de Gunman au Kanashima Butako. On parle de drogue, moi je n'ai jamais signifié la drogue. J'ai que mis des chaussures, même la chambre à Jata. Est-ce que tu comprends? Hein? Mais ce qui est un peu marrant lorsqu'on parle un peu de la sape, on voit les vestes, on voit beaucoup de choses. Mais tout à l'heure, Sam Samoa est habillé en culotte, je ne sais pas comment ce qu'il faut appeler ça. Là, c'est une chemise blanche. Sel de table. Du blanc sel de table. Il y a mon goût à ma bagarre là, ça, c'est pas les sels, Dieu là, non. Ça, c'est du blanc sel de table qu'on sert vite fait. Hein, au cas où. Et tu penses que ça, c'est la sape? Non, mais il faudrait savoir comment je définis la sape. La sape, elle est définie comme société des ambianceurs et personnes élégantes. Ça, c'est eux qui ont défini. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais sapeur. J'ai dit que je suis crack. Mais moi, je suis dans la mode. Parce que la sapologie, elle est limitée aux règles de trois. Trois couleurs, costumes, quel fouing, il faut respecter ces normes-là. Moi, je suis dans l'ouverture d'esprit, donc je suis crack. Je suis dans la mode parce qu'il faudrait savoir que la mode, c'est le langage de l'âme dans le tissu. On s'habille pas pour le plaisir, on s'habille pour passer un message. À la façon de t'habiller, je vais te définir, je vais savoir si tu es une personne qui est sérieuse, tu traînes dans quel milieu et ta réflexion comment. Par rapport à la façon que je t'habille, d'où on voit que la tenue de ville, elle est obligée, costume. On va savoir que ça, c'est la tenue de travailleur, chemise, pantalon repassé, tu es travailleur. Tu vas pas être au nom. Bon, c'est aujourd'hui que c'est plus ouvert avec des brasseries, tout ça, ou des M10, on regarde maintenant, tu peux aller travailler en Lacoste, jeans, chaussures, ainsi de suite. Mais auparavant, c'était Nkelanfouengue. Nkelanfouengue, c'est costume trois pièces. Mais nous, quand on arrive dans l'idéologie, moi j'ai une éducation de la maison, qui est la sapologie avec les parents qui faisaient de la sapologie. Et j'ai une éducation de la rue, de l'escale. La sapo gang, c'est un mélange du côté sapologique et un côté street world qui est le côté gang. Donc, tu dois savoir, tu vas mater un peu de chaussures en bas, couper, et puis tu blanc sur le table. Là, je suis un jet de salive du pape. Donc là, tu connais un jet de salive? Quand tu jettes la salive, ça tombe tout près de toi. Donc là, je suis tout près du pape. Je suis un jet de salive du pape. Alors, merci beaucoup. On est avec Sam Samouraï, en exclusivité mondiale. Alors, il y a des gens, quand j'ai posté dans notre page, on a dit, bon, on va recevoir Sam Samouraï demain. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Sam Samouraï était tout près de Koffi de Brazza. On a même vu dans des clips de Koffi de Brazza. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ça tire à balles réelles. On n'a pas besoin de raconter beaucoup de choses ici. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Bon, Koffi de Brazza n'a pas de problème. Ça tire même pas à balles réelles. Koffi de Brazza, c'est la famille. S'il y a un problème entre moi et Koffi de Brazza, peut-être c'est pas si Koffi a un problème avec moi, mais la famille ne change pas. Tu vois, Sam Samouraï, c'est pas une personne de conflit. Ouais, maintenant, dans mon côté de conflit, on va dire que je suis Hitler. Donc, j'ai laissé les conflits, que les jeunes puissent prendre ça. Moi, à mon âge, je rentre encore dans les conflits. Moi, à mon âge, le but, c'est vendre le pays, brasser beaucoup et faire ma vie. Koffi de Brazza, c'est un frérot qui se développe dans ses domaines à lui, un peu comique aussi. Parce qu'il faudrait savoir, c'était un musicien, c'était le pianiste de 13 ans, voilà. Donc, il connaît quand même aussi de la musique. Donc, bonne voix à lui. Si on se capte aussi, ça se tient, il n'y a pas de souci. C'est la famille. Sam Samoa n'est pas. J'ai pas de problème. Il n'y a pas un artiste qu'on a répété ensemble au Congo. Je suis bien avec tout le monde. Bon, mais ce qui paraît étrange aujourd'hui, tu changes de mime, tu changes de tendance, tu changes de beaucoup de choses, parce qu'on sait que Sam Samouraï, c'est avec Teddy Benzo, ça marche pas, avec Mixtone, on traite Teddy Benzo des retraités, des je sais pas. Tu as parlé de Teddy Benzo, Mixtone. Bon, c'est là où on dit que Sam Samouraï parle mal des gens, parce que tu me parles des inconnus. Si c'était une personne que je connaissais, j'allais reconnaître, mais je connais pas malheureusement. Je suis dans un milieu un peu réservé, quoi. C'est pas dans le mauvais sens, hein. C'est pas aussi l'orgueil artistique. Voyez-vous, en ce moment, nous sommes en 2023. C'est-à-dire que
On dit qu'on reprend les imbéciles par le silence. Voyez-vous, quand je dis que je ne connais pas une personne, ce n'est pas parce que je suis moi, non. C'est pour éviter de rentrer dans leur jeu. Parce que moi, je suis professionnel. Moi, je suis diable rouge. Je joue à l'international. Donc, les conflits nationaux, on laisse ça chez les joueurs des Léopards. Hein. Ils Donc, gèrent Teddy ça. Benzo Mixtant, Gérard de Lopard. J'ai dit que je suis diable rouge. Ça, c'est moi qui ai dit que je suis diable rouge. Si lui connaît qu'il est diable rouge, la personne dont je parle, il n'y a pas de souci. Diable rouge, il n'y a pas seulement ce joueur. Il y a 22 joueurs de diable rouge. Donc, on est nombreux dans le diable rouge, mais je ne sais pas. Mais moi, en ma qualité de TV Bifuma, je sais que je suis diable rouge. Alors, merci beaucoup. On va proposer à nos téléspectateurs un clip. Mais avant tout, s'il faut donner un classement des gens qui contrôlent le game en ce moment-là, si on peut citer trois personnes, avant de prendre le clip, cite-nous trois personnes en coupe, on prend le clip. Mais franchement, Monsieur Beethoven, c'est toi qui es journaliste. Donc c'est vous qui voyez le game. Nous, nous sommes dedans, mais c'est vous qui voyez, qui notez tout ça. Comment je vais citer? En classe, En Sam classe. Samouraï en premier. C'est bon? Non, moi je suis pas en première place. Parce que moi, on me dit que je suis comique. Moi, je me compare pas avec les musiciens. Prenez-moi les vidéos, hein, les Kalunga, les ça et ça. Et on va se comparer. Le Congolais n'a pas encore compris un truc, que l'artiste est un produit. L'artiste ne se vend pas uniquement musicalement. L'artiste doit attirer des people qui sont pas intéressés. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas ma musique, qui aiment ma personnalité, qui aiment le produit que je suis. Mais c'est les gens qui viennent dans mes concerts. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, on a travaillé sur une politique de rassembler les gens. Même si tu n'aimes pas ma musique, on va te prendre. On va faire quelque chose que tu as aimé. On va te récupérer. Maintenant, sur les artistes qui font la fierté en ce moment au pays, qui ont le buzz, je peux dire comment. On a les Yuluma Biala, on a les Rapha Bouzeki. Est-ce que tu vois? On a les vieux Zao. Moi, je veux dire, en premier, il y a les vieux Zao, suivi de Rapha Bouzeki, il y a le Rapha vieux. Bouzeki qui n'existe plus. Non, on parle de musique. Tu as parlé de musique. Lui, il est mort, mais la musique, il a. Et ça buzz. Ah, oh, j'écoute, je t'en boîte hier. Carton, oh, Nickel. Rapha. Rapha, il a fait un son là en boîte. Moi, en ce moment, les trois artistes qui buzz au Congo, qui dominent, il y a le vieux Zao, Rapha Bouzeki, et il y a le vieux Roga aussi. Mais qui a réalisé son stade? Ça va. Alors, merci. En exclusivité dans cette émission, on prend le clip Pepox de Sam Samouraï et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Mais ils sont où ces challengers qui ont voulu s'aimer de la résistance dans les quartiers de la République, ma gueule? Hein? Tiens, tu as la maille? Ok. Tu es milliardaire? Ok. Tu roules en Porsche? Ok, tu te fous de ma gueule toi. Ok, nous, on est Pepox, 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 on est Pepox, 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 nous, on est Pepox, 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 on est Pepox, 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 Pepox. Oh, les mains. T'entends pas ou quoi? Oh, les mains. Quoi? On va te la mettre. Où? Dans la tête. Quoi? On va te la mettre. Où? Dans la tête. Nous, on est Pepox, Pepox. De retour sur ce grand plateau réalisé donc ici en direct de l'hôtel Kenaya, en direct aussi avec le grand Sam Samouraï qui est en exclusivité générale mondiale ici à Dolisie. Alors, on a vu Pepox, on a vu le clip. Personnellement, j'ai pas de commentaire à faire, mais déjà, s'il y a un mot à dire à ton réalisateur et à toutes ces personnes qui t'entouraient pendant le tournage du clip, on peut avoir le mot. Ouais, je salue mon petit blanc, Floguito. Ouais, c'est un blanc noir. Parce que lui, c'est un blanc dans la peau, mais c'est un noir dans la tête. Et on est parti comme ça, on a travaillé le clip ensemble, on a travaillé pendant l'hiver. Il y avait beaucoup de fraîcheur, mais on l'a fait. Et on va dire que depuis l'histoire de la musique existe au Congo, on est les premiers artistes urbains qui sont allés dans une cité en France, qui ont tourné un clip dans une cité. Et pas à Paris. On est parti dans les zones chaudes, on était au 9-3, on était à Blois. Donc, on a tourné le clip là où les rappeurs français tournent les clips. Et c'est pas facile. Déjà, pour te laisser tourner, t'accepter, que les gangs de là-bas te reconnaissent, il fallait les atouts. Les atouts, c'est pas moi. Tu vois, en 3 ans, on disait souvent à l'école que les bases de l'industrie sont les atouts qui nous permettent à mettre en place des industries. Donc, les bases, hein, du tournage de ce clip-là, c'était des atouts qui m'ont permis. Bon, je fais partie des atouts-là. Mais Pepok, c'est un grand clip parce qu'on a pris beaucoup de risques. On est parti sur un style qu'on appelle la Jersey Drill. La Jersey Drill, on ne connaît pas. Je ne connais pas un artiste qui a déjà fait ça en Afrique ici, là. On fait ça aux États-Unis, à Londres. En France, ça vient de rentrer avec le frère Kershak.
et pas mal de frérots. Mais ici au Congo, tu vois, avec des caisses qui tapent comme ça, le début jusqu'à la fin, on n'a jamais vu ça. Et on est parti avec ça. Et aujourd'hui, même si les Congolais ne reconnaissent pas cette vitesse-là, plus tard, c'est comme les papas, ouais, mais la road music, comme les gens vont écouter, on dit, oh, mais les vieux là, avaient déjà la vitesse à l'époque, là. Donc c'est comme les Sam Samoa, nous, on a déjà touché cette vitesse-là. Et aujourd'hui, ça me ferait plaisir que la nouvelle génération puisse goûter à la jersey drill, parce que ça marche. De la drill, ça marche en France, et de la jersey, c'est là, on a pris des risques. Et là, on va balancer la drill. Et les gens disent que Sam, tu n'es plus trop Sam Samoa, Sapo Gang, tout ça, tu rentres en français. Mais là, ok. Ravi ne change pas, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il faut de l'évolution dans ma musique. Je ne vais pas dire le Fally des Kachaka, c'est le même Fally d'aujourd'hui. Mais il y a des gens qui disent que le Fally des Kachaka chantait mieux. Mais le Fally d'aujourd'hui, il vend plus. Est-ce que le but, c'est de vendre le pays ou pas? Ah ben voilà. Là, oui, cherchez des chanteurs qui chantent bien. Qui vont chanter de... Il y a déjà des chanteurs qui chantent de la rumba. C'est des Varois et des Komodo qui chantent de la rumba. Ils n'ont qu'à chanter bien. Non, on va faire de la musique commerciale. Et vous allez remarquer, on revient avec des clips de haute qualité. Hein, c'est pas un clip où on est parti là-bas, non, non. Clip haute qualité, avec beaucoup d'effets, beaucoup de montage. Maintenant, de voir. Et là, on va revenir encore avec un grand clip qui est Belek, un putain de clip. Et des collaborations avec des têtes. Quand je dis des têtes, c'est des têtes à Paname. Des collaborations déjà faites. Et Sam Samra est invité à un zénith. Mais ça, je garde ça. Ah, la moda. Ah, mais t'es là. Petit frère. Voilà où t'es relingué, petit frère. Il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Parce qu'au moment que tu veux y ôter la crinière, il faudrait savoir. Il faudrait savoir, tu joues dans quelle, je sais pas, faculté, je sais pas, mentale, intellectuelle. Parce qu'ils sont hypéto-facto. Ils manquent de toute faculté de réflexion. Mais, je l'ai dit même la dernière fois dans une émission, ils souffrent d'une maladie psychosomatique qui atteint l'esprit et le corps. Donc, ils ne peuvent plus réfléchir. Le truc, c'est juste voir l'engouement sur un morceau. Un truc qui marche au Congo, qui t'a dit que ça va marcher à l'extérieur? Ah ben ça je sais pas. Un truc qui marche à l'extérieur, qui t'a dit que ça va marcher au Congo? Vois-tu, moi j'ai fait beaucoup de morceaux, c'est pas rentré dans la radio française. La radio française, il y a des gens qui font la gueule, c'est là, artiste, c'est là qui ont le succès. Jamais passé dans les radios en France, jamais. Mais le lamour, t'as pas eu, t'as beaucoup, ta génération, quand tu as fait ça, tu écoutais, tu as la maille. Ok, on est rentré dans les radios à Paname. Donc, c'est une grande réalisation au niveau de la musique urbaine au Congo. Une grande réalisation. On est passé sur les plateaux, pas en tant que non, une personne nous a emmené, non. Le plateau TV5 nous a contactés, nous ont dit que Sam venait. À Abidjan, les cœurs des femmes, c'est pas non, non, les cœurs des femmes ont appelé, non, on veut de Sam Samouraï. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu que on a beaucoup de création en termes de contenu, on est beaucoup visible en termes de discussion et on est très rapproché avec nos fans. Et dans le truc de réalisation, nous, on réalise des projets, pas pour plaire, mais des projets qui vont perdurer. Parce que les projets qui sont trop comme ça passe vite. Les projets là où il y a beaucoup de bruit, ça passe vite. Mais les projets là où c'est culturel, il y a un contenu. Les projets là où on prend beaucoup de risques, il y a la plume. C'est ouf. Il y a une personne qui m'a dit que non, Sam, moi, j'ai écouté ton son, c'est du n'importe quoi. J'ai dit que moi, j'ai pris, par exemple, une semaine à travailler sur cette chanson-là. Une semaine. On est arrivé au studio, on est reparti, on a fait ça une semaine. Et j'étais pas moi-même au studio. On était par exemple à 5. Il y a eu des gens qui étaient au studio là-bas qui connaissent la musique mieux que moi. Il y a eu des ingénieurs. Et toi, tu as écouté mon morceau pendant 2 minutes, tu dis que tu n'as pas kiffé. Donc c'est moi qui est fou, ou c'est moi qui est bête, ou c'est toi qui es bête. Parce que nous, quelque chose, on a pris une semaine pour travailler. Toi, tu écoutes en 2 minutes, tu juges. Donc on a moral, quoi. Alors, merci Sam. On a beaucoup parlé. On va laisser encore le temps de revoir Pepox juste un petit peu. Et Patati patata, il est où donc le roi? Yes, à la une, à la trois, la concu part du poids. 212. Je suis là sur la tour, je te vois pas mon gars. Tu es où? Mes négros dans le four, le banquier vit chez moi. Je suis dans Goussi, Pepox, mamie on lui vit, Pepox. La cité en diété, Pepox, choco en Yoji, Pepox. Je roule en féfé, Pepox, à midi dans l'Audi, Pepox. Le soir c'est la Cayenne, Pepox, tu connais ces poutines. Yes, I. Ce soir je suis en colère donc je boxe et doxy. Ce soir je suis en colère donc je boxe et doxy. Ce soir je suis en colère donc je boxe et doxy. Ce soir je suis en colère donc je boxe et doxy. C'est que goût, c'est que bien, putain.
On a revu Pepox. On est au dernier virage de cette émission, mesdames et messieurs, en exclusivité mondiale sur Beethoven Leader Show. On salue beaucoup de gens. Hein. Depuis les États-Unis, on salue l'homme qu'on appelle Ibarra Deba. On salue également l'homme qu'on appelle Claude Garel Ipakama, en direct des États-Unis. Un ami, un frère de sang en ensemble. Alors, on a revu Pepox. On a dit beaucoup de choses dans cette émission. Sam, qu'est-ce que tu promets aux gens de Doulzy? Non. Moi, je ne peux rien promettre aux gens de Doulzy. Qu'est-ce que les gens de Doulzy me promettent? Est-ce que tu vois? Parce qu'il faudrait savoir un niveau. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, tu fais un clip, on dit, ah, mais tu as fait un clip. Ton clip a seulement 10 000 vues. Ce n'est pas ton clip qui est mauvais. C'est tes consommateurs qui sont pas puissants, tout ça, tout ça. Donc, il faut développer ce sens-là. Donc, moi, avant l'arrivée à Doulzy, on m'a dit qu'à Doulzy, j'ai beaucoup de fans et j'ai vu ça. Donc, on va mettre ces fans-là à l'épreuve. Ces fans-là doivent défendre leur artiste. Et moi, je suis sûr qu'on va bousiller ça. C'est créé pour les êtres humains, c'est pas créé pour les extraterrestres. Donc, c'est à nous, les êtres humains, de remplir ça. On va remplir ça, ça va déborder. Et après, moi aussi, il y aura des artistes de Doulzy qui vont remplir ça. Ça va aussi déborder. C'est pas un truc extraordinaire que uniquement Sam Samoa peut faire. C'est à la portée de tout le monde. Mais le premier, je suis sûr que tu n'as jamais vu ce genre de show. Hein. Parce que là, c'est un monstre. Gibson attaque un monstre marin, c'est nous là. Tu sais, dans la même salle que tu entends de se produire, il y a un grand du game qui était ici, Teddy Benzo, qui a les images, je crois, sur la toile. Donc, quand tu fais ton spectacle, attends-toi à une comparaison déjà. Non, moi, mes images, on va filmer ça par l'arrière. Moi, il n'y aura pas des images devant, non. Par l'arrière, on va prendre les images. Hein, à l'entrée de la salle, quoi. Pourquoi on prend les images? Moi, je sais qu'il y a des gens qui font les demi-terrains, mais je ne dis pas, je ne sais pas qui. C'est des trucs qu'on écoute sur le terrain, mais pas de soucis. Ce que je peux dire, si une personne vient ici là, qu'il fasse un show et que ça marche pas, c'est la vie, hein. Mais c'est ça, mais ça m'aurait. Attendez, ne vous attendez pas à l'échec, parce qu'on ne connaît pas l'échec. Pour nous, l'échec, c'est l'apprentissage, donc on ne connaît pas l'échec. Et puis, ça m'aurait, ça lève, hein. Vous l'avez un bon joueur, Moshiko Boulaga ou Chimino. On vous a comparé un joueur à Léopard, ça ne peut pas marcher. Des joueurs de Léopard et de Chimino, c'est le jour et la nuit. Les Léopards, ils sont plus professionnels. Champions League, Africa. Est-ce qu'on comprend? Donc, big et nos joueurs, Zouzou. Arrêtez avec... Alors, merci beaucoup. Merci à Slay Flojansi, mon ami de tous les jours. On rappelle aussi que derrière la grosse caméra, c'est un frère, Toussel, Small, Gondo, appelé autrement Monsieur Beat, merci à toi. On rappelle aussi qu'on a un frère ici qui nous accompagne, qui assure donc l'assistance de cette émission. Hello Smith, hein, Hello Smith, mon frère de tout le temps. On salue également Max Dede Jokamba. On salue également Esper Boulas en direct de Pointe-Noire. On salue également Président Mabil en direct de Pointe-Noire. Capi Dodo en direct de Pointe-Noire également à Brazzaville. Allez, capitule, c'est la famille. La famille, voilà. Ça gagne toujours. Voilà. On salue également à Pointe-Noire aussi un frère de tout le temps, un frère de tout le temps qui nous donne beaucoup d'argent, qui nous donne beaucoup de conseils, qui s'appelle Trésor Kumba, mais également en Chine. Hein, Pointe-Noire Chine, il est ensemble avec nous. Alors, on est à la fin de cette émission Sam Samouraï. S'il y a des acapellas à faire, il y a beaucoup de choses, il y a des dédicaces à faire, on te laisse le temps. Moi également, je dis déjà au revoir à tout le monde. On se retrouve prochainement avec un autre invité. C'était Beethoven Leader Show. C'était Beethoven Leader dans l'émission Beethoven Leader Show. Le préfet de la presse du Derry, on te laisse le micro pour une minute. Acapella plus dédicace en ensemble. Quoi. Mais monsieur Beethoven, des acapellas, là, je garde ça, vous le promets. Ah, si l'émission avait fait ça après le show, j'allais te faire tous les acapellas. Mais on ne peut guère, hein. Trop j'étais là-bas, parce que là-bas, c'était déjà l'émission, là. Les gens venaient. Hein, ça, mourir sans me voir, c'est un grand péché. Parce que c'est le passe du monde. Demandez les Doulzyens qui m'ont vu. Ils ont eu des frustrants, la chair de poule. Maintenant, là, je recevais la chair du cochon. Ce que je peux dire simplement, merci beaucoup. On est déjà à Doulzy, on s'est rencontrés. Donc, travaillons pour la culture. C'est ça le plus important. Les polémiques, ça nourrit pas. Tu vois, là, j'ai mes deux gibiers que je suis en train de... j'ai deux gibiers, il y a mon petit Chakazoulou, mon petit Koutankété, c'est mes deux gibiers. En ce moment, je suis en train de leur pousser, mettre un peu la main dans leur carrière. C'est important. En tant que patron de la Sapogang, le premier, je serai là avec le préfet du Niari, les affaires d'État.
Ça, c'est le droit de veto, les affaires d'État. Donc, en ce moment, si vous voyez, vous nous voyez, nous deux, ne dites plus en la vie, M. Beethoven et Sam Samuel, non. L'affaire d'État, droit de veto, c'est tout. Coupe-moi la caméra, l'émission, tu me recommences ça après le soir. Alors, merci beaucoup. Alors, on dit également merci à toute la grande équipe qui a à Gaïa. Donc, consistoire, vous nous regardez en direct de, du discothèque Akonjiga. Akonjiga, on te dit bonjour. Mais également assurer aussi le relais de cette émission. Ça fait plaisir qu'on est ensemble. Allez.